Bonjour, je vous propose un accompagnement du plat de Noël. Alors, très facile, c'est des patates gratinées. On va les faire cuire d'abord à la vapeur, on les coupe en deux et on les fait cuire à la vapeur. On va faire cuire aussi des carottes qu'on aura taillées en tout petits carrés. Pour le faire, il vous faut 4 pommes de terre assez grosses, 20 à 30 g de gruyère, 2 grosses cuillères à soupe de fromage frais, 2 petites carottes, une cuillère à café de paprika, du sel. Mes pommes de terre et mes carottes sont prêtes à aller cuire. Je vais les mettre pendant 25 minutes à cuire vapeur. Nos pommes de terre et nos carottes sont cuites. Ça y est. Donc nous allons reprendre nos préparations. Nous allons creuser nos pommes de terre et les mettre dans un plat. Donc là, vous allez creuser vos pommes de terre que vous mettez de côté. Alors tout à l'heure, j'avais dit 4 pommes de terre. Pour moi, c'était trop parce que je fais le plat pour 2 adultes et 2 enfants. Et les enfants ne mangeant pas trop. J'ai réduit à 3, mais 4 pommes de terre pour des gens qui mangent normalement, c'est ce qu'il faut, hein. Une pomme de terre par personne normalement. Donc là, nous avons gardé la chair des pommes de terre. Nous allons la mélanger au fromage frais. Quand vous avez bien mélangé la chair des pommes de terre avec le fromage frais, nous allons rajouter. Oh, bah elle veut pas venir. Voilà. La cuillère de paprika. Et on va saler. Alors, saler quand même, parce que les pommes de terre pas salées, c'est fade et c'est pas bon. Alors, bien sûr, vous goûtez pour savoir si votre assaisonnement est assez correct. Là, je vais rajouter une cuillère à soupe de crème liquide parce que je trouve que c'est un peu pâteux. Donc je vais rajouter une cuillère à soupe de crème liquide. Donc là, c'est plus crémeux, on le voit bien. C'est bien crémeux, c'est agréable en texture. On a bien goûté pour rajuster le sel. Nous allons mettre les petites carottes dedans. Quand vous avez rajouté les petites carottes, nous allons mettre la moitié du gruyère dans notre préparation. Donc la moitié. Le reste, ça sera pour mettre au-dessus pour faire gratiner. Et là, avec une grosse cuillère, nous allons prendre une quenelle de farce et nous allons remplir nos pommes de terre. Quand nous avons mis la farce harmonieusement, nous allons saupoudrer le reste de gruyère. Et là, nous enfournerons à 200 degrés pendant 5 minutes, juste avant de servir. Et voilà nos pommes de terre gratinées. Alors, nous, on a mis du poulet pour aller avec, mais avec la dinde de Noël, ça sera super. Allez, bon appétit!